Descendre dans la grotte qui se trouve dans la basilique Sainte-Anne à Jérusalem, c'est comme entrer dans l'histoire de la naissance de Marie. Ici, il y a des peintures liées à ce moment historique. Selon l'ancienne tradition de l'Église, Joachim et Anne, parents de la Vierge Marie, ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais ils reçurent une grâce de Dieu et de celle que l'on disait stérile, Marie est née, mère du Sauveur et notre mère. L'évangile apocryphe de Jacques dit que Marie a vécu ici avec Joachim et Anne et que c'est toujours à cet endroit qu'est née celle qui fut conçue sans péché. Chaque naissance doit être célébrée et celle de Marie a été commémorée par une messe concélébrée par les franciscains et la communauté des Pères Blancs, responsables de la basilique, à laquelle assistaient des fidèles locaux, des pèlerins et des religieux. Dans son homélie, le frère Stéphane a souligné comment, avant le « Me voici » de Jésus, il y a eu le « Oui » de Marie. Et aujourd'hui, le cycle des liturgies des franciscains va rencontrer le cycle des liturgies du Consulat de France. Et nous sommes heureux, en ce lieu qui est territoire français, de rencontrer les différentes communautés présentes à Jérusalem et concrètement aujourd'hui la France. Les franciscains célèbrent depuis des siècles en ce lieu, depuis la fin du 19e siècle, ce lieu a été donné aux Pères Blancs et les franciscains continuent à venir célébrer cette liturgie comme ils le faisaient avant l'arrivée des Pères Blancs. La musique joue un rôle important dans une fête et ceux qui ont participé à cette célébration ont pu percevoir la sonorité de cet endroit. Une des meilleures acoustiques en Terre Sainte. Une des meilleures acoustiques de Terre Sainte, due à la construction même de l'église, spécialement conçue pour offrir une excellente acoustique, en particulier lors des chants et des louanges à Dieu. Bonito, quando sempre cantarmos e louvarmos a Deus nesta igreja. Donc je suis encore plus contente et ça m'a vraiment émue et très touchée. En plus de ça, il y a une acoustique très intéressante et on participe vraiment et ça remue le cœur. Et on a été invités à venir à la messe et nous avons été contents de prier avec la communauté des chrétiens de Jérusalem.